Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bullet journal. Voilà, pourquoi tant de mystère? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Vous le connaissez, c'est le même, juste vous le voyez au sommaire, ça s'agrandit un peu. Voilà, je vais vous en parler parce que j'ai décidé de changer un peu la présentation que j'en ai faite et que j'ai refait dernièrement des pages donc, un peu différentes, donc je voulais vous en parler. Je vous montre là vite fait, donc moi je présente mes mois. Je spoil la suite déjà. Ça commence mal. Voilà aussi, oui, bon, bah ok. Vous souvenez, moi, quand je fais mes mois, normalement, je fais ça comme ça, juste le mois marqué au milieu. Je pourrais faire de la déco autour si j'en avais envie, mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop envie. Voilà, c'est dit. Donc, la première page que j'ai rajoutée dans mon dojo, c'est cette page-là. Réservation garderie Antonin. Voilà, parce que mon loulou va maintenant à la garderie tous les matins, quasiment. Et donc, il faut réserver à chaque fois 15 jours à l'avance, au maximum, les plages d'horaire qu'on veut pour être sûr d'avoir une place. Et donc, pour être sûr de quand j'ai réservé, pas réservé, bah, je me suis fait ce petit tableau. Donc, vous voyez, tout simplement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en haut. J'ai pas mis samedi, dimanche, parce qu'il n'y a pas garderie samedi, dimanche. Ensuite, un carré par jour. Et donc, quand j'ai réservé, je note en bleu clair. Si jamais il y a un événement qui fait que la garderie est fermée ou qu'il n'y va pas, je le note en rouge. Donc, en vert clair, je note quand j'ai réservé. Et de en vert clair, quand il y allait, les horaires qu'il a fait pour pouvoir après surveiller la facturation que la garderie me fera. Là, par exemple, il avait été malade, il n'y avait pas été, donc j'ai juste mis malade en rouge pour signifier qu'il n'y a pas été. Et là, vous avez les jours fériés notés pour signifier qu'il ne peut pas y aller puisque c'est fermé. Voilà. Ça fonctionne bien pour l'instant. J'avais commencé ça mi-avril quand on a commencé à le mettre vraiment tous les matins, tous les matins. Ça fait partie des choses qui ont changé ces derniers temps. Antonin va à la garderie tous les matins puisque mon chéri a commencé le travail et qu'il faut bien, comme mon homme travaille un peu la nuit, qu'il se repose à un moment. Donc ça le libère un peu de ne pas avoir le petit le matin à la maison. Et comme l'après-midi le petit fait la sieste, et ben papa fait la sieste en même temps. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, j'ai gardé mon fameux planning de vidéo et mon planning de lecture que j'avais légèrement modifié pour pouvoir mettre en bleu ici quand je vous ai parlé d'une de mes lectures en vidéo. Je mets le point bleu comme ça, c'est fait, je sais que j'en ai parlé. La pale du mois que je me fais et les idées vidéo éventuellement si j'en ai. Très souvent, j'utilise pas cette partie-là parce que j'ai tendance à rajouter mes idées vidéo là-dessous. À la suite, ça me permet de pouvoir caler une date à côté après. Voilà. Et ensuite, j'étais donc sur 4 jours sur une page pour les daily. Et vous le voyez, je me suis rendu compte que j'étais pas très régulière et qu'il y a des semaines où il n'y avait rien du tout dedans. Donc, j'ai décidé de changer cette présentation. Et de ne pas vous présenter, de ne plus présenter comme ça sur 4 jours. Je vous parle dans quelques instants de ce changement de présentation. Je me suis également rajouté une espèce de collection sous forme de bibliothèque pour les livres que j'ai lus cette année. Voilà, tout simplement, lu en 2007. Je ne me casse pas trop la tête. C'est très connu, hein, ça se fait très souvent chez les lectrices adeptes du bejo. Voilà. Et je me suis également fait une page pour les séries de l'année. Je me suis dit que c'était sympathique. Voilà. Et je rajoute au fur et à mesure les séries. Donc là, il y a Grey's Anatomy, Shadowhunter, Gilmore Girls, 13 raisons. Et voilà. Parce que c'est ce que j'ai regardé ces derniers mois. Ensuite, donc là, vous avez le mois de juin que j'ai déjà préparé. Je prépare toujours un peu en avance. Donc là, que je va commencer le mois de juin, je vais préparer mon mois de juillet. Voilà, donc j'ai refait la fameuse page pour mon bébé. Où vous voyez, là j'ai déjà réservé tout mon mois de juin à la garderie par exemple. Ensuite, la pale du mois de juin, je vous spoile pas. Donc, de toute façon, vous avez déjà vu la pale du mois de juin à ce moment-là. Mais,
Voilà, des petites idées vidéo. Mon planning de vidéo, vous voyez que j'ai déjà pas mal planifié. C'est au crayon de papier parce que c'est pas sûr, mais j'ai déjà un pré-planning de fait. Les lectures donc du mois de juin, vous voyez qu'il faut encore que je fasse mes en-têtes et mes décos. Et ma nouvelle présentation. Là, vous allez dire, mais quoi? C'est tout petit! Bah oui, mais comme j'ai un beau jour au travail pour les choses que je dois faire au travail et un beau jour pour mes cours que je dédie uniquement à mes cours, en fait, ben j'ai pas besoin de beaucoup de place parce que mon beau jour là, il me sert principalement pour l'organisation de la maison et de la, entre guillemets, vie de famille. Donc juste, je pense que ce format-là me servira juste pour me faire mes petites listes dans la journée de ce qu'il faut que j'ai fait. Voilà. Donc, je me suis, vous voyez, mis effectivement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une petite page là, place pour des notes éventuellement, et là, une to-do ménage avec les choses que je dois faire au moins une fois par semaine qui doivent être faites cette semaine-là. Ça va être du type déplacer le canapé pour pouvoir faire sous le canapé, la salle de bain. Des choses qui doivent être faites en matière de ménage. Et donc, je me suis fait cette présentation pour tout le mois. Je vais la tester sur un mois et puis je verrai ce qu'elle donne. Et puis si jamais, eh ben, j'en changerai. Voilà, là, c'est l'espace normalement réservé à juillet. Ce qui fait que du coup, mes mois vont me tenir de moins en moins de place dans le bejo. Je devrais pouvoir tenir toute l'année avec, à moins de me rajouter d'autres pages. Ma page du suivi des lectures n'a pas changé. Elle est toujours la même avec la page de mes séries en cours, qui elle par contre, il faudra peut-être que je l'actualise avec notamment les nouvelles sagas que j'ai commencées. Il faudra que je vois soit si je peux les rajouter à côté, là où j'ai un peu de place, notamment vous voyez par exemple par ici, soit si je peux pas bah, faire une autre page tout simplement, hein. Ça se fait assez aisément. Voilà, donc oui, bah, je continue à utiliser le bejo. Malheureusement, c'est vrai que celui-là, comme je l'utilise quasiment que pour la maison et l'organisation de la maison et des vidéos, ben voilà quoi, il est un peu délaissé par rapport aux deux autres. Celui que j'ai au travail est juste magique, quoi. Il me sauve la mise pour me permettre de ne pas oublier des choses. Je pourrais me trimballer celui-ci entre la maison et le travail et m'en servir aussi pour le travail, mais comme je note des numéros de dossier des clients, des noms des clients et tout, j'estime que c'est un peu confidentiel et que ça doit rester au travail. Voilà. Et puis, ça a un petit côté séparation de la vie aussi. Le travail reste au travail et la maison reste à la maison. On essaye. Voilà. Je verrai, peut-être que quand j'aurai plus les cours et que j'aurai dédramatisé le côté confidentiel de mon travail, peut-être qu'effectivement je prendrai un seul bejo pour tout. On verra. En attendant, voilà, je pars sur cette nouvelle présentation. Voilà, d'une semaine sur une page et puis on verra bien. J'ai réfléchi à un moment donné à l'idée de me mettre peut-être des gratitudes ou une page de l'humeur ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai renoncé parce que je sais que je m'y tiendrai pas. Les gratitudes, ben pas que je suis pas dans le mood, hein, bien évidemment, comme tout le monde, j'essaie de retirer le positif à la fin d'une journée. Mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent en positif, quoi. Voilà. On est content parce qu'il a fait beau aujourd'hui. On est content parce qu'on a passé un bon moment avec ses enfants, avec son chéri. Parce que on est content parce que chéri a lancé une lessive et que ça nous a avancé dans le ménage. Des choses un peu simples. J'ai vu une vidéo de Mademoiselle Papote hier qui justement parlait de son journal des gratitudes et du fait qu'elle aimait écrire et que. Voilà, et effectivement, elle disait qu'elle reçoit pas mal de messages de gens qui veulent commencer et qui, un peu comme moi, ne savent pas trop par où commencer et se disent que ben on va un peu toujours écrire la même chose en gratitude tous les jours, voilà quoi. Donc
Je ne sais pas. Cette réflexion va peut-être mûrir en moi et peut-être que je me mettrai à écrire mes gratitudes dans mon bejo, ou peut-être pas. J'en sais rien. On verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon bejo et du type de présentation que je préfère. Moi, ça reste l'outil d'organisation qui me plaît le plus. Voilà, je change la présentation, j'hésite pas, hein. Au départ, j'étais sur une page pour 2 jours, et puis vous voyez que finalement, au fur et à mesure de ce que j'utilise, je me rends compte que ben, c'est peut-être pas nécessaire et je réadapte, tout simplement. Voilà. C'est ça qui est bien avec le bejo, c'est que c'est adaptable vraiment à soi personnellement. Voilà. Sur ce, moi, ben, je vous laisse. Si vous êtes adepte du bullet journal ou plutôt du filofax, eh ben, on n'hésite pas, on partage en commentaire. On peut échanger. Je vous avoue quand même que je suis très tentée de me faire un hybride de bejo dans un filofax. Mais je résiste pour le moment. C'est dur, mais je résiste. Voilà, parce que je suis un peu instable de l'organisation. Donc, j'aime changer, j'aime. Voilà. Si je m'écoutais, j'aurais 15 000 agendas. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi les utiliser. Donc là, c'est vrai que le bejo, c'est un outil que j'utilise. Bien qu'il y a des semaines où je le délaisse un peu parce que je fais ce que j'ai à faire et je le note pas. Mais quand je me sens un peu dépassée, j'aime bien noter et du coup voilà. Et puis j'aime l'objet carnet. Ouais, non, il me plaît, j'ai trouvé mon truc. Donc voilà. Mais quand même, Filofax, c'est trop trop cool. Il faut pas se laisser tenter, il faut pas se laisser tenter. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve sur Facebook, sur Instagram et dans les commentaires. Bye bye.